Salut tout le monde, on est le 1er mars 2018 et c'est jeudi, donc c'est le temps de moi, c'est le temps pour moi, Mad, de faire mon stream comme à tous les jeudis à 20h. Et ce soir, ben, je prends un break de Monster Hunter World, puis mon plan initial, c'était de jouer à la démo de Yakuza 6, mais finalement, la démo de Yakuza 6 a comme été barrée, en tout cas. Yo, checkez bien ça. Moi, mon plan initial, là, c'était de télécharger cette démo-là que j'ai faite mardi passé. Là, je me suis dit, ah, ben tiens, je vais faire pour mon stream un petit... Un petit intro de Yakuza 6, vu que la démo, c'est comme le prologue du jeu. Mais là, pour une raison que j'ignore, ça a l'air que Sega ont comme distribué le jeu complet comme démo, à la place du démo. Fait que le monde a comme eu temporairement accès au jeu complet. Puis, ben c'est ça. Fait que là, ces gars, éventuellement, ils ont comme décidé de tirer à plug et puis d'arrêter la distribution de la démo sur le PlayStation Store. Mais le monde qui l'ont téléchargé, il avait quand même accès au jeu. Fait qu'il y a plein de monde qui ont pu jouer en avance à Yakuza 6, complètement traduit en anglais puis tout ça. Puis moi je me disais, bon ben, peut-être que je vais avoir la chance de pouvoir y jouer quand même, mais comme de fait aujourd'hui, ben ça a l'air que Sony ont comme bloqué l'accès, fait que là je peux même plus le démarrer. Fait que ça a comme un peu gâché mes plans pour mon stream de ce soir, mais c'est ça. Fait que là, j'ai entendu dire aussi que pour les jeux gratuits de PlayStation Plus, ben il allait donner Bloodborne et Ratchet & Clank. Fait que ça m'a comme rappelé que j'avais une game de Bloodborne que j'avais commencé il y a longtemps mais que j'ai jamais terminé. Fait que je me suis dit que j'allais faire ça ce soir. Reloader cette vieille game-là de Bloodborne que ça fait une éternité que j'ai pas joué puis que je vais probablement être super rouillé puis perdu. Fait que on va partir ça sans plus tarder. Puis là en plus là, vu que je suis sur PlayStation Plus, je peux jouer online, fait que je vais probablement me faire envahir par d'autres joueurs, là, ce qui n'était pas le cas avant parce que auparavant quand je jouais, j'étais tout le temps offline. Donc c'est ça là, fait que là à mon souvenir, j'étais rendu à quelque part dans le DLC. Il semble que j'étais pas mal avancé là. Là, faut juste que je me souvienne des contrôles parce que là, dernièrement, j'ai pas mal juste joué à Monster Hunter puis à Yakuza, puis les contrôles sont pas mal différents dans ces jeux-là que dans Bloodborne. Fait que je me réhabitue un petit peu des pitons. Bon, ça c'est pour attaquer, ça c'est la grosse attaque. Changer de mode. Ok, il y a quelque chose que j'ai même pas ramassé ici. Ok, puis ça c'est pour tirer du gun. Et cercle c'est pour dodger. Je vais probablement me fourrer puis peser sur X pour dodger au lieu de cercle. Bon là faut que j'essaye de trouver ce que j'étais rendu. Bon, il semble que j'étais arrivé par ici pour me rendre à la lanterne. Bon, on va explorer. On va explorer un petit peu. Bon, plein de portes qui s'ouvrent pas. Mais ouais, ça, j'avais commencé une game. Je sais pas si j'ai commencé l'an passé ou l'autre année d'avant, mais en tout cas. Ça faisait longtemps que j'avais comme l'envie de jouer à Bloodborne parce que bon, je suis un gros fan de Dark Souls puis j'ai toujours adoré les jeux de From Software, enfin, en tout cas la série Dark Souls. Fait que j'ai pas pu résister de jouer à Bloodborne.
Mais c'est ça. Fait que là, j'avais commencé une game, j'avais pas mal avancé, mais là, je l'ai interrompu pour jouer à Yakuza Kiwami, je crois. Ah shit, c'était que ça sonne une cloche. Quoi, cette cloche-là? Turn back. C'est mauvais signe. Oh shit, oh shit. Oh, c'est le fucker là. Wow! Vas-tu dropper de quoi? Il bloodied armbands. J'ai pas eu la chance de faire des tests ben côté technique là, fait que je sais pas si le stream a l'air d'avoir de l'allure ou si l'audio est correct là. Fait que si y a jamais tout le monde qui me regarde en direct dans le chat qu'il y a des problèmes, ben n'hésitez pas à me le dire, ça va me faire plaisir de régler ça. Toi, t'es qui toi? Oh, j'entends d'autres pas ailleurs. Fuck, j'ai dodgé dans le trou comme un épée. Nice. Première mort stupide. Bon, au moins, c'était pas bien, bien dur, je me rends jusque là. Oh, I can't wait. Hee-hee! Ah! Bien, ouais. Ah, il respawn encore, lui. Oups. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur le bouton de me healer. C'était pas du tout ça que je voulais. Fuck you! Non, mauvais piton. Ça, c'est pour me healer. Bon. Ah non! Ah! Pas le temps de ramasser ce que c'est le cadavre, il tombe en bas. Bon, on va explorer un petit peu ici. Bon. L3. Fear your blindness. Par surprise. C'est le plafond. Hein, toi. Bon, une gemme. Qu'est-ce qu'il fait ce bruit-là?
shit. Bon, ça fait que je suis là. Bon, qu'est-ce que ça dit? Firearm is effective. Ça va avoir beaucoup d'explosifs. Non, 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 non. Reste le baril. Non, j'irai pas me pitcher là-dedans. Bon, comment ça marche changer d'item? C'est ça. Oh, ma petite lanterne, ça peut toujours être pratique, voyons. Et toi dessus! Non, faut pas viser plus bas que ça. Vas-y. Gaspille toutes mes balles. Il y a de l'action ici. Bon. Oups. Quelqu'un monter une échelle. Et tu te rends jusqu'à moi? Time for blunderbusses. Un cocktail molotov, ça va faire du dégât. Fuck! Ah! Fuck off! C'est une chose de voir pitcher mon molotov tout croche, mais il fallait vraiment qu'il avance juste assez pour me pitcher en bas. Bon, ouais, let's go. Ouais, pitch-toi dans mon épée. Oh, fuck. Ow. Whoa, 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 shit, calme-toi. C'est ça, mon arme rebondissait dessus. Tombe pas là. Bon, j'ai pas passé le piton que je pensais dans Monster Hunter pour courir.
Bon, fait que si j'ai les affronte séparément, ça va être moins pire. Fais ça de même. Ow, 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 fuck. C'était vraiment pas cool. Et fait que ces fuckers là qui font l'électricité, faut voir qui est dessus. Oups, qu'est-ce que ça dit? Must accept secret, the sky, the skulls, and the cosmos are one. Okay, cool. Attention de ne pas se tuer. Il y a de l'action ici. Bon, les autres n'ont rien remarqué, parfait. Continuez de faire ce que vous faites là. Je peux les attirer un par un, ça serait parfait. Toi là, le pitou. What the fuck? Ow, ow, ow! Celui qui fait de l'électricité. Bon, est-ce moyen que je puisse retourner en haut? Tuer ceux qui font de la magie? C'est pas en les tirant dessus de même que je vais les tuer. Non. Ow. Je pensais que la porte était ouverte. Fuck. Fuck.
pensais pas me rendre en haut, mais il a comme fait un trois tirs d'électricité de fil. Bon, en tout cas, je ne rentrerai pas en bas tant que j'aurai pas tué ceux qui font de l'électricité. Who pry into the unknown. Ben voyons. On dirait que plus je me bats contre lui, plus j'ai de la misère. Laissez venir à moi. Fucking. Ah, barnouche. Ça arrête pas. Manque pas de stamina lui à un moment donné. Comment ça, ça l'a pas pogné? Fuck. Espèce de poisson qui boit, ça le rend comme immunisé au stun. Oh. Ow. Ça crisse en bas. Non. Il est pas tombé! Pas mort. Bon, là il est mort. J'avais-tu vraiment autre chose à faire ici? Il me semble que j'ai peut-être pas mal le tour.
Vérifier si j'ai rien négligé, là, si je vois pas un item qui traîne quelque part. Bon, on va aller correct. On va monter ici. Bon, cette fois-ci, il va faire attention. Pas me pitcher en bas. Ow! Il y a un enfoiré qui fait de la magie que je... Ah, il est là. Okay. Wow, wow, wow. J'allais encore faire cercle pour ramasser l'item, mais faut que je fasse X. À cause de Stupid Monster Hunter. Wow, 6 blood vial. 2 old blood vial. Oh shit. Ow, ow, ow. Shit. Short de là. Ah! Fuck! Ok, là, cette fois-ci, j'ai été stunné. Oh, c'est comme si je recommençais à jouer pour la première fois. Je sens tellement rouillé et noob. Bon, faut que je retrouve mes Blood Echoes. J'ai fait un dodge qui a failli me sac en bas. Oui, faut que tu crèves, t'as mes Blood Echoes. Bon, j'essaie de me rendre direct au Spellcaster. Oh, y'en a un autre. Shit, 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 shit! Arrête de dodger, tu crush. Ah, sac moi à paix. Thank you.
Bon. Oh, un autre gem. Oh, ça, je pense que c'est un raccourci, celle-là, là. Hello! Yes, j'entends la lanterne. Oh, il avait droppé un item, lui. Des blocs de verre. Juste m'assurer que c'est la bonne lanterne. Ouais, ok. C'est là. Faire attention de ne pas tomber. Je pensais qu'il était encore illuminé comme s'il y avait un item sur lui. Là, il y avait une échelle. Plein de larves dégueu. Oh fuck. Ah, quoi je me suis jeté? Ah! Eww! Pas mal ça. C'est moi juste ramasser à terre là, ce qui traîne. Là. Au moins ça se retourne pas vite, fait que je peux juste les contourner. D'autres de même. Ça m'a fait le saut. Je pensais pas que ça allait faire un bruit fort de même. Oups, 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 ah, oh shit, y'en a d'autres. Ah. Je vais toutes les péter. Fear unknown thing or have audience with the unseen. Hein? Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ok. Crève! C'était pas capable de pogner lock dessus. Ah.
Ouais, avance un petit peu. Wouh! Bon. Plein de matériaux pour upgrader les armes. Les mondes sont morts ici. Oh, des Bloodstone Chunk. Tu vas me pogner par surprise, hein, pensant que t'allais être resté coincé dans ta carapace. Beware the Blood Owl Hunter. Hmm. Ça a l'air d'être safe. Hey, salut Jumamine! Comment vas-tu? Ça saute de loin ces affaires-là. Yip! Yip! Ah, moi ça va très bien. Hmm. Oh, t'essaies de me pogner par surprise, hein? Oh shit, oh shit. Encore lui? Motherfucker. Fuck you, fuck you, fuck you. Ouais, j'ai ramassé des pantalons ensanglantés. Ouais, c'est pas mal exactement un jeu à la Dark Souls. Étant donné que c'est fait par la même compagnie. Sauf que c'est dans un univers complètement différent. Au lieu d'être dans un monde médiéval sombre, c'est plus un... Oh boy! Ah! Tabarnouche! Ah! Plus dans un monde victorien mélangé avec des créatures de Lovecraft. Oh mon dieu. Ça a vraiment pas l'air safe, Sip! Vite, fuyons! Non, honnêtement, je trouve que c'est vraiment bon. Je pense que je préfère cet univers-là que celui de Dark Souls. Ce que j'aime aussi dans Bloodborne, c'est que même si le système de combat est très similaire à Dark Souls, il y a comme une particularité d'être très rapide et très agressif comme style de combat, disons. Bon.
Slimy thing waits ahead, eventually no mercy for kin of the cosmos. Hmm. Okay. Parce que ce que j'aime bien dans Bloodborne, c'est que ça évolue un peu le type d'ennemi que tu rencontres. T'sais, au début, c'est comme... Surtout des créatures comme des loups-garous, des zombies, des trucs du genre. Plus ça évolue, plus ça devient des créatures genre cosmiques ou extraterrestres ou des trucs que je trouve qui sont un peu plus à l'écart de qu'est-ce qu'on voit normalement dans ce genre d'univers-là. Bon, ça a l'air d'être un raccourci. Excellent! Je pense pas que je puisse faire grand chose avec les Blood Echoes que j'ai ramassés. Je me souviens plus combien il m'en faut pour monter de niveau. Bon. Ah, j'aurais assez de monter d'un point. La question, c'est dans quoi je mets ce point. Endurance, force, skill. On va y aller avec endurance. Ah, puis non, on va y aller avec la force. Allô? Farewell, good hunter. Bon. Je crois pas avoir besoin de racheter des potions ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai, Dark Souls sur Switch, qui l'aurait cru? En tout cas, tant mieux, parce que c'est une belle opportunité pour ceux qui ont jamais joué à la série de commencer, qui ont une Switch. Bon, donc j'avais ouvert un passage, je crois que c'était la porte ici. Oh, il y avait quelque chose à ramasser ici. Non, je n'ai pas de Nintendo Switch. Ce que j'ai présentement, c'est la PlayStation 4. Bon, et une Wii U, là, mais... Disons que la Wii U, c'est un achat juste pour pouvoir jouer à Breath of the Wild. Mais c'était une amie à ma copine qui l'a vendu usagé. Ils ont pas l'air d'être hostiles, fait que je crois que je vais passer inaperçu comme ça. Là. Ah, j'étais déjà rendu à lui. Waouh. Je crois que ça c'est le dernier boss du contenu DLC. Oh. C'est dur à expliquer, moi-même je ne sais pas trop. On dirait que c'est comme des espèces d'êtres humanoïdes extraterrestres. C'est vraiment dur à décrire. Et on dirait que ça a l'air de sortir de l'utérus d'un être interdimensionnel.
non, il est triste. Bon, ben, je crois que je vais passer le reste du stream à essayer de le battre. Ow. Ce que j'ai pu comprendre, c'est un des boss les plus difficiles. Ow. Bon. J'aurais pu prendre le temps de me guérir, mais je l'ai pas fait. Ça prend tout le temps plusieurs morts pour essayer de maîtriser le pattern des attaques d'un boss. Oh, ça a l'air de monter ici. Non. Bon, heureusement, le chemin pour s'y rendre n'est pas très long. Bon. Il y a un objet là-bas que j'ai négligé. Oh non, oh non, 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 pas ces créatures-là! Ah, je les déteste! Ah, merde. Ouais, il y a une espèce de créature que c'est comme une femme avec mais que sa tête c'est comme un énorme cerveau, puis aussitôt qu'elle a un qu'elle a le champ de vision sur toi, tu deviens tranquillement plus fou. Et éventuellement, tu t'accumules des dégâts. Ah non, il y en a deux, il y en a deux. Ah, ah, ah. Ah non, la barre continue de monter! Vite, aidez-moi! Ah, tant pis. On ira explorer une autre fois. Hop, je suis coincé dans l'arbre. Ah, il y a comme un délai là-dessus. Je parle. Ah! T'as comme l'impression qu'il va attaquer, mais il y a juste un petit délai, genre. Fait que là, t'esquives trop tôt, pis ça... Ça te cause la mort. Bon, on va réactiver ça. Peut-être que si j'essayais en mode deux mains, ça irait mieux. Ou peut-être que ça va être pire. Bon, tant pis pour les Blood Echoes. Ow. Aïe. Non,
fois que je vais garder le mode une main. Mal. Ouais, exact, sa barre de vie, c'est celle en bas. Question sur l'efficacité d'utiliser ça pour enchanter mon arme, ça va faire plus de dommages. Ouais, le rouge c'est la vie et le vert c'est l'endurance. Ouais, il est rapide, mais en même temps, il y a des moments où que ses attaques ont comme un... Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, là, ils ont comme un léger délai. Presque comme des feintes, t'as l'impression qu'il va attaquer, mais finalement, il fait juste charger son attaque, puis toi t'esquives, puis t'as pas la chance d'esquiver à nouveau. Allez, descends! Cette attaque-là tue d'un coup. Ouais, je peux prendre des potions, mais souvent ça t'empêche d'esquiver. Donc il faut que tu choisisses le bon moment pour pouvoir prendre des potions. Je pourrais pas déjà tout le temps être en haut cette stupide plateforme.
ça part mal. S'il m'avait touché, j'aurais été mort. Comme une espèce de yo-yo. Ah non! Oh oh. Laisse-moi tranquille, je vais me guérir. Bon. Ah! C'est quoi ça? Merde. Bon, mais il y avait encore d'autres attaques que j'avais pas vues auparavant. Comme la plupart des boss de Bloodborne, j'imagine qu'après l'avoir descendu à une certaine quantité de vie, il va devenir encore plus agressif et plus fort. J'avais comme perdu la direction où aller. On va réessayer en mode deux mains. Toujours plein de surprises. Éventuellement, je vais finir par comprendre toutes ces attaques et savoir comment réagir. Bon, ça c'était raté. Ouais, c'était pas une grande amélioration. Non. Bon, j'ai déjà arrêté de compter à quel essai que j'étais rendu. On va approcher de 10.
essayer avec ça. Ça fait juste s'empirer. Étant donné que j'ai rien à perdre, j'ai une partie de moi qui veut explorer, c'est quoi qu'il y a là-bas. Là. J'essaie de tuer ça le plus rapidement possible. Ah, le frenzy, ça fait tellement mal. Allez, saute. Où es-tu, stupide créature? Ah! Non! Non! Oh, oh, elle me dévore le visage! Et le frenzy va me tuer! Ah! Ma vie descend tellement vite, ça n'a pas de sens! Ah ben... Ah, merde. Bleh. Vu les objets qu'il y avait là-bas. J'étais capable de tuer une de ces deux créatures-là. Éventuellement, j'aurais été capable de tuer les deux. Ah! Meurs! 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 Ah! Viens ici! Meurs! 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 Piou! Vive les attaques à deux mains! Ah! Stupid frenzy. Bon. Parce que j'étais déjà venu ici auparavant, je crois pas. Ben, si je lui tire dans le derrière. Non? Non? Bon, tant pis. Ah,
y a pas d'objet. Rien du tout. Juste deux gros monstres. Vraiment désagréable. Ah, je hais. Ah, je hais ce monstre. Je hais ce monstre. Hein? Ils sont gros derrière. Bon, ben ça n'avait aucune utilité de venir ici. On va retourner à notre boss. Il va y avoir quelque chose ici. Quelque chose de dangereux, non? Ouh! Faudrait que j'aille vérifier c'est quoi ces nouvelles gemmes-là. Peut-être que c'est des améliorations par rapport à ce que j'ai actuellement. Bon. J'ai un peu moins de 50 minutes pour tuer ce boss. Quelque chose me dit que les balles doivent pas être super efficaces contre lui. Ah, il est fâché! Moins de 50 minutes. Je vais peut-être utiliser ça contre lui à la place. Oh, ça dure pas longtemps. Non, non, non! Ah!
Sapristi. J'ai vraiment de la misère à descendre sa vie plus loin que ça. Ah! Bon, qu'est-ce que les notes disent? Hunter is never alone. Ok. Habituellement, après plusieurs tentatives comme ça, je commence à avoir l'impression de m'améliorer un peu contre les boss, mais là... J'ai pas l'impression de faire du progrès. Time for nightmares. Fear superior being and you must accept cooperator. Je peux sûrement me débrouiller sans aide. De ce que j'ai entendu dire sur lui, c'est un des boss les plus les plus difficiles du jeu. On va aller investiguer la situation des gems là, dans les armes. Non. Si. Repair blood gem. Bon. Il y a des trucs qui vont augmenter son attaque ici. Une bonne amélioration d'attaque, ça. Un fire attack.
question, c'est est-ce que le boss a des faiblesses sur certains éléments? Il n'y a rien d'intéressant. Bon, fait qu'on a eu une petite amélioration d'attaque. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de mourir. J'essaie d'être un petit peu trop agressif contre lui quand que je devrais pas. Oh, on sauverait du temps si c'était pas de ce stupide ascenseur là qui est toujours en bas. Me guérir. Non, c'est pas ça que je vais faire. Fâché. Ah, c'est tellement vite. J'ai l'impression d'avoir survécu plus longtemps cette fois-ci.
Dire que du monde serait capable de faire ça les yeux fermés. Ah, j'avais esquivé celle-là. Non. Là, j'ai esquivé trop vite. À tous les fois que je meurs, je regarde la vie du boss, puis tout le temps à la même quantité de... Il y a du progrès. C'est dur de le percevoir. Oui, je tourne en rond. Un instant de me guérir. Ah, je suis coincé dans des roches. Bon. Je suis prêt. Ça va bien. Merde. J'aurais dû me taire. Ça descend du plus, ça, sa barre de vie. J'ai presque à la moitié. Oh.
Si j'ai quelque chose pour me donner de l'armure ou des dommages, ben de l'armure. Il y a peut-être l'équipement que je pourrais mettre qui pourrait me donner un peu plus de défense, mais ça risque d'être très négligeable comme différence. L'armure dans ce jeu-là, habituellement, il y a rarement beaucoup de différence d'entre une armure à l'autre. Puis côté dégâts, ben j'ai ce truc-là qui permet d'enchanter mon arme, mais ça donne du. Ça donne du dégât arcane, je crois. Comme ça. En tout cas. Mais j'ai comme pas l'impression que le dégât arcane fait vraiment une différence contre ce boss-là. En tout cas, juste une impression. Là. C'est quand même un être cosmique. Donc je me dis qu'il doit avoir une certaine résistance à... aux éléments arcanes. Mais, en tout cas... Ah! L'important, c'est de survivre. L'important, c'est de get good. Oh, je... Non! Oh, ok, ça m'a pas tué. Ça m'a pas tué. Ah. Oh. Je peux plus esquiver. On reste calme. Ah, je t'emmerde. Non. Ok, pas trop fait mal. C'est la fin. Il y a du progrès, il y a du progrès. Tant que je panique pas, ça va pas si mal. Oh, je commence à manquer de de potions par contre. Hmm.
J'aurais dû prendre l'opportunité pour prendre une potion ou deux. Non, dans Bloodborne, la particularité, c'est que tes potions que t'as, t'en as une quantité limitée, puis si t'en as plus au-dessus de, d'une certaine quantité, ben, éventuellement, tu finis par toutes les épuiser. Il y avait un endroit où que je pouvais obtenir des potions facilement. Je peux juste me souvenir, c'est ouf. Ah, c'est déjà... Ah oui, c'était... C'est là Lumenwood Garden, c'est-tu? Étant donné que c'est une vieille sauvegarde, j'ai comme perdu la mémoire de tous les lieux du jeu. Nope. Nightmare Church under. C'est ici. Quand même, oui. Quoique c'est pas un grand monde ouvert, là, c'est relativement linéaire. Bon, c'est pas ici non. C'était-tu ici? Ah, c'était ici. Merde. Non, j'avais le bon endroit, mais. Mon cerveau il a comme fait défaut pendant un certain. Pendant un moment. Qu'il y a souvent aussi dans ce genre de jeu-là, là, que ce soit Bloodborne ou Dark Souls, c'est souvent des chemins qui sont bloqués, que éventuellement tu débordes des passages qui servent de raccourci. Comme ça. Comme ça, quand tu apparais un bonfire ou une lanterne dans le cas de Bloodborne. Ben, tu peux continuer ton chemin en utilisant le raccourci. Ouais, c'est peut-être pas une méthode super rapide pour récolter des potions, mais... Ça rend ça au moins facile d'en avoir 5 à chaque coup. Il y a une espèce de zombie que quand tu le tues, ça te donne 5 potions gratuitement.
Bon, c'est lui là, ce petit... Le petit bonhomme agonisant là. Et voilà, 5 potions. On va essayer de tuer lui pour avoir des Blood Echoes aussi. Ow! Faudrait juste pas que je me fasse tuer par contre. Ah, puis je gaspille une potion. Allez, viens ici. Ah. Rush-toi. On dirait qu'il y a une arme à la Monster Hunter. Ah! Ça, c'est pas sympathique. C'est pas tranquille! Bon. Je crois qu'on va laisser tomber ce plan-là. Peut-être pas beaucoup de trucs pour pouvoir avoir des Blood Echoes. Bon, on va se réessayer contre le boss. De toute façon, les potions, ça sert à rien. T'as pas besoin de potions si tu te fais jamais toucher. Bon. J'espère que c'est pas trop ennuyé de moi. Ça a été rapide, j'ai pas gaspillé de potion.
que je me demande, c'est est-ce que je suis assez haut niveau pour l'affronter? Est-ce que je fais assez de dégâts? Ah non, mon arme! Il va falloir que je la répare bientôt. Merde! Bon, je vais aller réparer mon arme. C'est genre la première fois que je vois que mon arme est à risque. J'ai jamais vu qu'est-ce que ça faisait si jamais ton arme brisait. J'imagine qu'elle devient inutilisable. Je pense pas que tu perds ton arme. Là, par contre, il va falloir que j'utilise. Quelque chose comme ça. Est-ce que ça va être suffisant? Ouais. Bon ben, j'ai 10 minutes pour tuer le boss. Ah. J'aurais peut-être pu utiliser le maigre restant de Blood Echoes ou de Souls que j'ai pour acheter deux potions avec ça. Saute vers moi. Ah. J'ai pas esquivé de la bonne direction. Non. Super agressif. Non. Merde.
Bon, encore quelques tentatives. Garde un œil sur lui, on reste calme. Je savais déjà que c'était mal parti, donc j'ai même pas pris la peine de prendre une potion. Je déteste vraiment quand il lance ses petits pustules explosifs. C'est un grand total de 9 potions. Ça aurait été bien que ces créatures-là agenouillées, tu puisses les tuer et qu'ils te donnent des potions. Ça rendrait ça beaucoup plus simple. On recule. Ah.
Oh merde. Non. À l'instant que je l'ai vu lever son arme à deux mains, je savais que j'étais foutu. Bon, une dernière tentative, mais je ne crois pas qu'à 5 potions, je serais capable de réussir, puis je crois que je risque de devoir récolter des potions hors stream pour peut-être retenter ma chance jeudi prochain. Et peut-être aussi tenter de gagner quelques niveaux supplémentaires pour tenter de mettre plus les chances de mon côté. Sauter au lieu de d'esquiver. Non. Je me suis jeté en plein milieu de cette explosion. Oh, misère. Bon ben... J'avais pas prévu que... En continuant cette vieille sauvegarde, que j'allais être si loin que ça dans le DLC, que j'allais me rendre contre ce boss-là en particulier, parce que j'ai toujours entendu dire que c'était un des boss les plus difficiles. Bon. Ben, on va faire nos prières et espérer que tout va bien aller la prochaine fois. Donc, on va utiliser ma nouvelle petite scène que j'ai rajoutée. Donc, ça va être tout pour ce soir et je remercie tout le monde qui a été là, qui m'a regardé, incluant Juvamine qui était là tout le long. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, comme vous pouvez voir juste ici, ben il y a les liens pour tous nos réseaux sociaux, comme ça j'aurais pas besoin de les dire à toutes les fois maintenant. Et pour ceux qui sont plus visuels comme moi, ben c'est le fun d'avoir des liens à vue comme ça. Donc moi je vais revenir la semaine prochaine, jeudi 20h comme à l'habitude. Donc je ne sais pas si ça va être vraiment du Bloodborne la semaine prochaine aussi ou si je vais jouer à autre chose. Ça va dépendre de si j'ai le temps de. D'ici la semaine prochaine de faire du farming de potions puis de du grinding pour essayer de monter de niveau. Mais sinon, gardez l'œil ouvert sur les réseaux sociaux là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, je pense que demain, Francis devrait avoir un stream de Hollow Knight à 19h30, je crois. Sinon, dimanche prochain, on devrait avoir une game de Dungeon & Dragon à 19h. Et Dan lui stream les lundis à 19h, Prescott lui c'est les mardis à 19h30. Et sinon quoi d'autre? Ah ouais, en fin de semaine, ben, on a une réunion pour notre marathon de niveau suivant, parce que le niveau suivant c'est d'abord et avant tout un marathon de jeux vidéo pour venir en aide à des organismes de bienfaisance du Québec. Donc ce sera en fin de semaine, on a une réunion pour tenter de clarifier l'horaire de notre 48 heures de jeux vidéo qu'on veut faire au mois d'octobre, qui est supposé être le 5, 6, 7 octobre 2018. Et le thème pour ce marathon-ci, ça va être ça va être 25 ans de jeux vidéo. Donc, on va avoir 25 jeux vidéo qu'on va choisir pour jouer pendant le marathon, qui date de 1994 jusqu'à 2018. Donc, puis on sait pas encore exactement pour qui quelle fondation qu'on va ramasser des dons
avec ce marathon-là, mais c'est encore en discussion, puis ça va être plus au clair à la prochaine réunion ou à d'autres réunions subséquentes, là, parce qu'on fait des réunions quasiment à tous les mois pour ça. Puis je pense que c'est tout pour ça, donc moi je vous dis à la prochaine, et merci encore d'avoir été là. Ciao!